qui dit là, Boalou Lama Toulouenou, Kou Congo Live Télévision, toi ça qui dit là, Boa Kousungula, Boa Koumania Maloua, Mbote na ba téléspectateur Banso, Ba Kei Kolanda Beto, Na Ngongayai, Bozali na Congo Central, Mbote Bisika Bozali, Bozali na Équateur, Mbote Tokei Kokabela Yango na Bandeko, Bazo Landa, Bisona Likasi, Bi Pai Oyo Basalaki inauguration ya 22 km. Ya a route oyo ezali asphalté ezaba intérêt ya mboka oyo ezo kende nango liboso toke ko kabela mbote na bandeko oyo bazali na espace Kasai mbote bisika boyali tulubi moyo na ba telespectateur oyo bake kolanda biso na angonga yai bo ozali na kabea kamwanga tulubi mbote na ba telespectateur oyo bake kolanda biso na otuwele bozali na Ituri, Trobimbo te bisika bozali na ba telespectateur ya Congo Live Television bozali na Sud Kivu tunasema a jambo buko ndani ya province Nord Kivu province Sud Kivu tunasema a karibu ku Congo Live Television. À ce jour les dames et messieurs, Youssouf Kibingila à David journaliste ce matin, je viens encore vous donner ces informations, vous mettre au parfait de l'actualité. Vous le savez très bien, Congo Live Télévision vous a toujours informé de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, que ce soit sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique. Nous y avons toujours été afin de vous mettre au parfait de l'actualité. Vous nous aviez choisi pour vous informer à ce jour, c'est bien, ça nous honore les dames et messieurs. Bonjour et bienvenue de nouveau sur Congo Live Télévision. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, je vous exhorte juste de vous abonner, de partager la vidéo juste à la fin de l'avoir suivi, mais également de mettre vos avis, vos commentaires, vos idées, ce que vous personnellement vous pensez pour mettre ce Congo en ordre, pour remorcer tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour mettre en ordre la justice, pour mettre en ordre ba domaine ebele oyo to yali komona eza ko kende liboso te na kati ya mboka na biso pour mettre fin na ba insécurité na kati ya ba mboka ebele na kati ya mboka na biso pour mettre fin na insécurité oyo causée par ba Rwandais par régime ya Paul Kagame pour mettre fin na biloko ebele oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso. Vous aviez toujours les droits, vous avez toujours les droits de mentionner dans les commentaires, de mettre vos idées, vos avis, de soumettre vos pensées, ce que vous personnellement vous pensez pour notre grand Congo, pour notre grand Mboka. Bozali ebele, batu ebele na tikapa, sima ya ba télévision na bino, batu ebele, mette ve moko, trobi mbote, bisika, bozali pe boye elamu. Kolanda manaka na biso ya sika, basango na biso ya sika, pona likambo oyo eyali koleka na kati ya République démocratique du Congo. A ce jour, tokolobela 3 a parti, to 3 sujets ya makambo oyo tozwi lokola ba information oyo tokosala ba analyse elongo na bino bipai bozali, tokosala ba analyse liskolo ya masolo oyo toyali komona ezali koleka na kati ya mboka na biso. Premièrement, tokolobela olikambo eyokami juste après sortie médiatique ya président de la République oyo eyali ko concerner cohésion nationale, débat national en ce qui concerne les opposants et la majorité. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de voir comment est-ce que Tshisekedi a cause wa facilitation ya ko solola na bandeko na ye ba opposants pour que biso elongo to tonga mboka? Il y a maintenant une réponse de la part de ba opposant. Tout au long de cette émission, on va découvrir qui est cet opposant. Oyo akei liboso. Bazali déjà mi balé, oyo balobi baza disponible. Ba mosu batiki ko lobango lobi ke baza disponible. Ce n'est pas ma motif oyo Tshisekedi azotia ke ekoti a liboso pour que mboke kende liboso te. Mais bango en tant que ba opposant, ils sont prêts à être de côté. Donc ils sont prêts ou bien tout le belango, ils sont prêts à s'unir, à se mettre d'accord avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, enfin de voir comment est-ce qu'ils vont s'attaquer contre Paul Kagame. Et que ça, le premier point où ba opposant, oh, Tshisekedi a l'obaki baza d'accord, te, ba bimina kona bango, ba ye, pour que ba répondre na oyo Tshisekedi a l'obaki. Et que ça, le premier point na biso, deuxième point na biso, oh, ezaki candidate.
Mutu azalaki candidat oyo na province ya Chopo. Oto lobela kisangani deja. Batu oyo mboka ezalaki kotiela elikia. Lelo azwaki nzela kokende wapi na M23. Azwaki nzela akei wapi na AFC. Vous allez découvrir il s'agit de qui tout au long de cette émission. Et à la fin de cette émission, les dames et messieurs, on aura un réel plaisir de parler ces sujets oyo. Et tigili ko simba mitema ya ba congolais oyo est concerné bitumba dans l'est du pays. Ça ne s'explique pas aussi que ba mboka e continue ko kwea, ba village e continue ko kwea, l'état qui est tous en a cessé le fait, l'état qui est FARDC bazali ko observer cessé le fait, l'état qui est les jeunes résistants wazalendo ils se battent na ba moyen de bord. Mais nous sommes appelés à respecter les cessez-le-feu. Il nous a toujours fait savoir que les cessez-le-feu, c'est une chose qui est concernée ni de près ni de loin. Et comment est-ce que nous avons fait des sous-sous? Et est-ce que c'est l'attitude où nous avons continué à adopter le temps que nous avons fait? Que pense le président de la République? Parce que des fois, c'est que tu stimulé, tu benga que ma responsabilité est allée belle, bien qu'il y ait bi. Mais c'est le temps aussi qui passe, c'est le dernier, le deuxième et le dernier mandat oyo ayali na yango. Tolobela sikoyo premier point abisso, comme je l'ai annoncé au départ de cette émission, qui est juste après sortie à président de la République, oyo lobaki Martin Fayulu n'a jamais accepté qu'il est le président de la République. Parce que d'après Martin Fayulu a estimé que c'est lui le président. Fayulu n'est président d'après Fayulu. Grand politicien Mboka Nabiso, Tokabelie, Bisika, Azali, Mbote, vieux Fayulu, Mbote, Bisika, Ozali, ceux que nous allons aux États-Unis, Mbote, Ebipaye, Ozali. Au sujet de Moïse Katumbi, Atikali Kolobaki, Azalaka, Borderline. Dans le sens, Yaye, Borderline, les ma signification est belé. Mais na ba sens na ye yende a ebi sens nini ya lobela ki yango. Mais d'après ba analyste moko o ba kotika ko ebi sabiso ki ya loba ki yango dans le sens ki Moïse Katumbi azalaka clarté na oyo asalaka dans le sens ya certains analystes oyo bazali ko analyser ba propos chef de l'état ko lobela bazwaki Fayulu Katumbi et Joseph Kabila. Le Joseph Kabila, lui, on n'en parle pas parce que c'est lui. L'AFC, c'est lui. Donc là, le débat n'est plus. Donc, il n'y a pas de débat. Mais ce n'est pas seulement les trois qui sont des opposants. Il y a Denis Mukwege. Il y a M. Anzuluni. Bazali et Belé. Batu Oye Bazali, ba opposant. Il y a Costa Mutamba. Il y a peu opposant. Ba opposant Bazali et Belé. Mais la opposition est à la candena l'olenge oyo est à la kanango. Il y a plusieurs sortes, il y a ba opposition. Na cause à la opposant, toi y'a pe à cause à la opposant, mais opposition na biso. Tout ça la kango l'olenge mon côté. Vous aviez vu lorsque l'IDPS, bazaki na opposition. Ko détruire, ko casser, ko salaboe, et ça l'olenge na bangwa osa nini, opposition. Ils ont une opposition populaire. Batuna batu. Bazaina lolenge oyo. Basalaka opposition na bango. Martin Fayulu, par le biais de M. Epenge, Batikala ki kolobaye ki bango baza pre. Lelo, kotia ba entena bango pembeni. Koya poke ba solola na Félix Antoine Tshisekedi. Pour trouver au moins une réponse, ne serait-ce que pour la situation sécuritaire dans l'est du pays. Kalamingi te a oepenga tiki kolobayango. Azaki pe na bosolo na politique, il a confirmé que bango na kana bango. Opposition républicaine, na kana bango. Oye ba mosusu bazo sana kati ya mboka. Bazali pre ko sunga Tshisekedi. To bazali pre ko fanda ba dialogue pour que bazo solution na problème ya est. Il s'agit de Anzuluni, il s'agit de Mukwege, il s'agit de Mutamba, il s'agit de Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moïse Katumbi.
ba grand homme politique nyoso oya opposition ba ye ba sangani na ba oyo grand politique oya majorité tozolo bela basama lukonde Judith Suminwa Vital Kamerhe Bahati Lukwebo Mboso Nkodia bazali ebele Bemba Jean-Pierre bazali ebele basangani Guy Kabongo Mwadi Mvita basangani ebele pour trouver une réponse na crise ya est ya mboka. Ne pensez-vous pas aussi lokola bandeko bazoloba si ces gens se mettent ensemble pour penser ne serait-ce que pour la situation sécuritaire dans l'est du pays Bitumba oyo ezana MWT. Mais pourquoi est-ce qu'il ne le faut pas? Pourquoi est-ce que batwana bazosala likambwana te bafandi ba Julien bambusa batunyosoana babitakwira bafandi bisika moko pour être véridique à cette question. Parce que si on observe très bien depuis que la guerre a débuté, c'est presque les mêmes personnes mais ba changaka ba poste. Soit ba oyo ba komaki ba oyo ba kendaki ba oyo ba komaki oyo akiboye akie sénat azongi assemblée akie primati akie ministère, mais ce sont les mêmes personnes. Et si aujourd'hui on se dit ils se mettent ensemble pour discuter à ce sujet, à cette question, pour trouver au moins une réponse. Demandez à Julien qu'est-ce que tu connais à ce sujet, Nzangi qu'est-ce que tu connais, Mboussa qu'est-ce que tu connais, Bitakwira qu'est-ce que tu connais. On parle de tout le monde. Kamerhe, qu'est-ce que tu connais? Lukwebo, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Chacun essaie d'apporter la solution. Joseph Kabila, qu'est-ce que tu penses? Mais est-ce qu'il y a au moins cette volonté? Parce que ça ne suffit pas aussi de parler. Mais qu'il y ait cette volonté dans ces Congolais qui prétendent aujourd'hui qu'ils aiment les Congos, qu'ils aiment les Congolais. Mais ce qu'ils font, c'est presque une chose qui n'existe pas. Bazon nourrir peuple espoir pendant que peuple les ont souffri. Est-ce qu'il y a toujours eu cette bonne volonté au sein? Y a ba politicien na biso na katia mitema, y a ba politicien na biso pour finir. C'est pas la guerre de Tshisekedi, c'est la guerre de la RDC. C'est la guerre de la RDC. Ba village et pas y a ba Julien Kounezo Kende, ses frères souffrent. Nos frères souffrent. Ce n'est pas la guerre de quelqu'un, c'est la guerre pour la nation. Et nous devrions nous mettre ensemble pour penser. Que pense le camp de Denis Mukwege, docteur Denis Mukwege, Yepe Mukaba opposant, candidat président de la République dans la législature, Oetiki Goleka, Yakani Sinini. Est-ce que c'est le motif à Tshisekedi pour ne pas résoudre ce problème? Pour dire qu'il est bloqué par ses opposants. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas l'implication des opposants dans la guerre dans l'est de la RDC, raison pour laquelle Bitumezo s'il a été? Est-ce que Kagame a profité de la division au sein de ma politicien congolais? Tout ça sont questions et c'est là qui toyeba boni makambo et c'est là tokumba yango. Nini bango bazo kanisa, qu'est-ce qu'eux pensent? Face à la menace existentielle du pays, les regroupements politiques ACRN, proche de Denis Mukwege, appellent à la tenue d'un dialogue sous l'égide des évêques de la Cinco. Bah, évêque et la Cinco, est-ce qu'ils ont la bonne volonté de bien mettre fin à la guerre dans l'est du pays? Est-ce qu'il y a la volonté? C'est la volonté d'être aux autres. Est-ce qu'ils allient? Pas les gros mots, pas les gros français, pas ça. La volonté. Et s'il y a la volonté, bah action ni ni bango ba yali ko sala le lot. Kalamingite to koma na 13 millions de personnes au Bakoufa. Kalamingite. Des investigateurs travaillent trop dur pour ça, pour élaborer des rapports au quotidien. Tous autres travaillent, bah, tu as investigation chaque jour. N'abasige wana. Est-ce que le gouvernement attend aussi qu'ils aient 13 millions de bazala na courage ya kobenga, bah, tu pour que tout ça les longo. Nous sommes agressés. Est-ce que c'est le temps de faire la guerre entre nous? Moi, je pense non. C'est pas le temps de faire la guerre katina biso.
Notre état est au filet. Près de huit mois après les élections générales de décembre 2023, le regroupement politique Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, plateforme qui a soutenu la candidature du prix Nobel de la paix Denis Mukwege à la dernière présidentielle, a décidé de rompre le silence pour se prononcer sur divers sujets relatifs à la vie nationale en République démocratique du Congo. Dans sa déclaration intitulée « Rien n'est tard pour s'améliorer ou pour faire mieux », la CRN dresse un tableau sombre de la situation sociopolitique, socio-économique et sécuritaire de la RDC. Il souligne que malgré l'état de siège instauré au Nord Kivu et dans la province de l'Ituri, la situation ne cesse de se dégrader, tout comme la situation sociale de la RDC. Malgré l'instauration depuis 5 ans de l'état de siège, à l'est de la RDC, la situation sécuritaire du pays ne fait que détériorer avec l'avènement des rebelles du M23 et la présence des ADF Nalu dans le Nord Kivu à Beni Butembo et à Ituri, sans oublier l'insécurité à l'ouest avec phénomène Mombondo dans les Maïndombe et les Kwilu. Sur le plan social, le gouvernement qui a vanté sa croissance du budget national à 16 milliards n'a pas eu d'impact réel sur les conditions sociales de la population. Il assiste impuissant à la dégradation sociale, à la corruption, au détournement des fonds publics et à l'enrichissement illicite de dirigeants qui ne recule devant rien ni personne, même pas devant Dieu. Pour s'en mettre plein les poches à la grande dame du slogan « Les peuples d'abord », une chose qui n'existe pas, a déclaré Maître Jean Bosco Mombo Kantunda, vice-président de la CRN, dans une déclaration rendue publique ce jeudi 22 août 2024. Se référant au plat de paix porté par Denis Mukwege lors des dernières élections, la CRN appelle à la convocation des dialogues sous l'égide des évêques de la Conférence épiscopale nationale de la République démocratique du Congo. Donc, on sait que la Tawana Kotanga, déjà vous comprendre combien de fois que Mukwege a sorti na silence, balobi et kelelo, bango, nakana bango kuna balingi. Dialogue national ezala, mais ezala conduit na ba évêque ya Senko. Ezala sous l'égide. Il y a un évêque, il y a 5 ans, il y a un évêque qui a été fait. Tobenga, ba évêque, tata cardinal Ambongo, Yakawa, viens ici. Qu'est-ce que tu penses pour la guerre dans l'est du pays? C'est ça, on se met sur une même table. Ton Fandi, pour que tout solo la licambolie, l'Italie, sécurité, ambo, canabiso. Ton tiki ba shama ema, ba discours wale a haine, ton tiki ango nanu. Sinon, l'ennemi risque de gagner aussi la confiance de la population si on ne le fait pas. La guerre entre les politiciens, l'ennemi risque d'en profiter. Ba konzi ambo ka boyali kolanda biso, les autorités qui nous suivent ici, ce n'est pas le temps de la guerre. Ce n'est pas le temps de se vanter. Chacun commence à se vendre. Azo vendre l'image naïe et comme concurrence. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Où sont les ministres? Bah, ministre Bazali Wapi, Bazo Yokanate. C'est quelques ministres qui se font entendre par les réseaux sociaux, par Biroko Bazo ça. Mais il y en a beaucoup, il y a au moins 54 ministres. Et c'est là que 54 ministères et Yokama, ils ont Dunda. Mais ils ont Yokanate. On les a nommés pour rester dans des bureaux climatisés. On ne sait pas aussi. Mais baso yo kanate. Voilà donc l'idée. Il y a batu oyo bakanisi keza important de se mettre sur une même table. Batu ya ACRN. Sous la médiation. Ou betokolo bango. Sous l'égide. Il y a Senko. Senko oyo
et ko tiabango sur une même table pour connaître réellement qu'est-ce qu'il nous faut. Alors, l'état concernant de finir cette mission d'amessier tokei ko sukela awa makambo oyo ezali ko salema na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Je dis ici que si les autorités ne font pas aussi attention na biloko bazo sala bako risquer ko pesa nzela et pa ya munguna et que la population commencera à comprendre que c'est le Munguna qui a raison. Et nous ne voulons pas arriver là-bas, tout pour la patrie. Monsieur Patrick Muyaya, nous ne voulons pas arriver jusque-là. Si c'est tout pour la patrie, c'est-à-dire, il est temps de se réorganiser à l'interne. Bah, dialogue, il y a cessé le fait. Bah, processus, c'est à Luanda. Il n'y a pas de réponse là-bas. Toya Kotunana, on se demande entre nous, on se dise la vérité. Toye Baisana Bosolo, Nakat Nabiso. Sur une table, on se dit la vérité. Pas d'abord les choses à vos positions. Pas la majorité. Le Congo d'abord et vos intérêts après. Le camp de Denis Mukwege sollicite cela. Qu'est-ce dit Katumbi? Qu'est-ce dit Fayulu? Fayulu a déjà accepté. Il reste que Katumbi et Kabila. Est-ce qu'il y a cette bonne volonté? N'a battu la majorité. Kobenga battu l'opposition. Bayakosal. Toti kaba discours y a haine, toti kaba discours y a division, toti ben kaba discours y a unité. Nous sommes menacés. Bah indifférence n'abuse, tu vas continuer à moi après. Mais faisons d'abord face à l'ennemi. Sinon, cette affaire ira trop loin. Qu'est-ce que nous sommes en train d'imaginer? Personne ne comprend aussi cette situation que tous les Congolais. S'il y a la participation de tous les Congolais dans cette affaire, tu kolonga facilement. Tokolonga yango facilement. On finit par ici. Chopo Kisangani, Doudou Tikaeleli, ancienne candidate gouverneur, rejoint les M23 AFC de Corneille Nanga. C'est jeudi 22 août 2024. Une vidéo montra Doudou Tikaeleli, une figure bien connue de la Chopo, a provoqué une onde de choc dans la province. La séquence devenue réseau. La séquence devenue virale sur les réseaux sociaux montre Tikaeleli prenant la parole lors d'une cérémonie de fin de formation organisée par le mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo, dirigée par Corneille Nanga. Cet événement inattendu a suscité de vives réactions parmi la population de la Tchopo et celle de la ville de Kisangani. Dans la vidéo, Doudou Tikaeleli exprime sa reconnaissance envers l'AFC de Corneille Nanga pour avoir organisé cette formation qu'elle a qualifiée de cruciale. Elle a même affirmé que la formation avait transformé les participants en hommes et en femmes nouveaux. Cette prise de position a surpris beaucoup de Congolais, ceux qui la connaissent, notamment en raison de son engagement récent en tant que candidate aux élections de gouverneur et vice-gouverneur en avril dernier. Ces discours inattendus soulèvent de nombreuses questions sur ses motivations. Doudou Tshisekedi n'a pas une inconnue, n'est pas une inconnue, voulais-je dire, dans la Tchopo. Elle a longtemps été impliquée dans la promotion des droits des femmes, notamment en tant qu'ancienne coordonnatrice adjointe de la dynamique de femmes candidates de la Tchopo, DINAFEC, et membre du Forum des femmes pour la appropriation de la résolution 1325. Son implication apparente dans un mouvement rebelle, connue l'AFC, soulève de sérieux questionnements sur sa trajectoire, son engagement et sur ce que cela signifie pour la province de la Tchopo. La vidéo a immédiatement alimenté réseaux sociaux et tout le reste se demanda pourquoi est-ce qu'elle a fait cela et qu'elle a décidé de rejoindre l'AFC de Corneille Nanga. Mituna Ebele. Elle a tenté de voir si elle sera candidat et si elle sera gouverneur de la province de la Tchopo. Et maintenant, une question revient. Si cette dame-là, la Tikaeleli, Oyo Andimiko Kendena M23, si elle serait passée comme gouverneur de la province de la Tchopo, et qu'elle a des liens
avec les rebelles du M23. Pensez-vous, vous voyez déjà là où les choses sont kennées. C'est ainsi que vous auriez entendu que les M23 sont déjà à Kisangani. Par quelle magie? Par des choses pareilles. Alors, il est évident que le président de la République prenne ses responsabilités à main. J'ai dit bien ici, à jouer ma responsabilité naïe, à benga ba opposant, à benga ba tounyoso, tout fan, tout yebisana. Si c'est Kabila qui est derrière la rébellion, tout benga yé. Si c'est lui, d'après le président de la République, bon benga yé, qui est un débat national sur ça, qui est un débat entre Congolais sur ça. Dialogue entre Congolais. Vous voulez que les Américains de Bayaba imposent ce dialogue inter-Congolais? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas encourager les gens qui prennent les armes contre la République. Non plus, nous ne pouvons pas aussi encourager que la division se sème entre les Congolais parce qu'il y a des différences. Non, nous devons nous mettre sur une même table, estiment plusieurs analystes. Je ne sais pas si la même idée vous la partagez avec moi. Mentionnez dans les commentaires, nous devons nous mettre sur une même table pour voir qu'est-ce que nous allons faire. Les indifférences à côté. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à notre temps. Et c'est là qui depuis qu'à la technique, Bazo signalé Bissot que Sengeli Tokata déjà. On revient demain samedi sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Comment est-ce que les villages tombent et que disent Kinshasa face à la processus Oyo Yalwanda. Je vous remercie personnellement de nous avoir choisis, les dames et messieurs. Je suis Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation basé à l'est du pays. Je reste disponible au plus 243 993 46 71 93. Excellente journée chez vous et à la prochaine pour d'autres actualités.